Allez, c'est parti avec le numéro 18, présenté par Sébastien Churin, qui nous vient de Ménil, dans le 53. Ménil, c'est juste à côté de Château-Gontier. En fait, c'est à un quart d'heure d'ici. Oh, une femelle de Cap-Garde qui est née le 17 mars, jour de Saint-Patrick, le 17 mars. Elle s'appelle Kélia. Et c'est une souche valise, hein, puisque la mère s'est toquée à valise par Balingari et même par... Balingari et Bora Valise par le Pontet. C'est donc la grande souche des Valises, la grande souche d'André Noël Duterte, lui-même de Château-Gontier, puisque la mère de Cata Valise n'est autre qu'une sœur de Géricault Valise, un gagnant du Georges Courtois, du Murat, du Robert de Clermont-Tonnerre, super cheval entraîné notamment par Jean-Bertrand Balanda, 550 000 euros de gains. Et aussi, cette Boréa Valise a donné Ipso Valise, qui n'est certes pas Black Type. On va marcher, s'il vous plaît. 100 000 euros, 5 victoires. On va marcher, ouais. Oui, bien sûr, on va marcher. Là, oui. Allons-y. Et donc, une fille de Cap-Garde ici pour la nièce de Géricault, Ipso Valise, mais aussi Nelly Valise, qui a été deuxième du Général de Nio. Et puis, dans le pedigree, on trouve aussi Hydro Valise, un polyglotte, qui a été troisième du Bourbonnais. Grande, grande famille. Qu'est-ce qu'a fait Tocata Valise elle-même? Écoutez, elle a gagné. Et pour l'instant, elle a eu deux produits de Saint-Dessin qui se sont classés. Trois produits de Saint-Dessin. Les deux premiers se sont classés. Le troisième, il y a 2 ans, donc il n'a pas trouvé encore. Et voici le quatrième produit. Alors cette fois-ci, Sébastien Chemin est passé de Saint-Dessin à Cap-Garde. Autant dire qu'il est resté dans le grand classicisme de l'obstacle. Et il faudra lui demander, mais je pense qu'il n'a pas été déçu par le modèle proposé par Cap-Garde, puisque évidemment on cherche le modèle, hein, quand on va chercher Cap-Garde, on cherche non seulement la qualité, hein, c'est un des meilleurs étalons d'Europe. Au trot, s'il vous plaît. Mais aussi le physique. On va pouvoir trotter désormais. Et cette pouliche née le 17 mars n'en rentre pas. Allez, on y va. Voilà donc Kélia en action désormais, au trot. Le croisement de Cap-Garde avec Palingari et le Pontet derrière. Une souche dans le univers. Allez, on rentre.